Chers auditeurs, la grande vedette Marie Dubas va interpréter Il est bébête. Eh bien, vous verrez que le plus bête des deux n'est pas toujours celui qu'on pense. On s'est connus dans le métro, un soir de la semaine qui faisait chaud. Comme il y avait de la bousculade, il avait mis le maladroit sa main gauche sur mon sein droit. Du coup, il me flanquait des bourrades. J'allais le secouer de belle façon. Mais comme il est joli garçon, j'y ai tout de même fait une risette. Et ce grand dadais gêné comme tout m'a fait de l'œil avec ses deux genoux. Il est bébête. Puis il m'a dit, il est rempoté, je t'emmène à l'hôtel à côté. Je m'ai dit, voilà l'amour de ma vie. Mais ce gros béton sera bien, me fait. Il faut que je fiche mon corps, là, qu'il est près de 8h30. J'ai compris instantanément. Je m'ai dit, probable que sa maman le tient à l'œil comme une fillette. Il est parti sans même payer la chambre. Sûr qu'il n'y a pas pensé. Il est bête. Il reviendra peut-être un jour. Dame, sait-on jamais en amour? Surtout si on tombe dans la débine. Il se retrouvera peut-être dans le métro. Il me refichera des ramponneaux. Il me repincera où que je devine. Moi, je pourrais pas y résister, ce grand flandrin. Il me fait pitié. Il est si bon. Pitionne. Je le reprendrai quand il voudra. Au fond, c'est pas un mauvais gars. Mais m'en voilà. Il est bête.